Bonjour à tous, le marché parisien poursuit sa hausse et repasse les 3 800 points à l'ouverture. Et à suivre ce matin, ST Microelectronics, alors que son concurrent Texas Instruments vient de relever vers le haut ses prévisions financières pour le premier trimestre 2013. Et puis Lagardère qui a dégagé un résultat net de 89 millions d'euros en 2012. Le groupe table cette année sur une croissance comprise entre 0 et 5% du résultat opérationnel média à change constant. Un œil également à SCOR qui vient de signer un protocole d'accord en vue de prendre le contrôle de la foncière MRN. Et puis Maurel et Prom qui a fait état d'une hausse de 7% de ses réserves de pétrole au 1er janvier 2013. Gros plan ce matin sur France Télécom, le fonds stratégique d'investissement va fortement déprécier sa participation dans l'opérateur. La filiale à 51% de la Caisse des dépôts devrait passer dans ses comptes 2012 une dépréciation de près de 2,5 milliards d'euros sur sa participation, c'est ce qu'affirme Reuters. Le FSI qui a reçu de l'État 13,7% du capital de France Télécom lors de sa création en 2008 valorise toujours sa participation à 16 euros par action dans ses comptes. Mais l'effondrement du titre en bourse depuis 2011 va le contraindre à ajuster la valeur autour de 9 euros par action. Voilà, c'est la fin de ce flash. Je vous retrouve à midi pour le point de mi-séance.